Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur Assetto Corsa au circuit Paul Ricard pour vous présenter la Formula Hybride 2018 du studio RSS Racing Studio, une équipe de développeurs à qui l'on doit déjà beaucoup de modes avec énormément de succès sur Assetto Corsa. Celui-ci est sorti il y a quelques jours, le 25 mars, au prix de 3,99€. Alors en quoi consiste ce mode? Eh bien, dans la veine de ce que proposent les membres de chez ACFL, eh bien la volonté de produire une voiture semblable à la réglementation 2018 de Formule 1, en tout cas une Formule hybride à jour. Et ici, on va tenter de répondre aux questions, est-ce que, eh bien, ils y sont parvenus? Pour cela, vous avez dans la description le lien vers la voiture, le site officiel, le circuit Paul Ricard pour Assetto Corsa, ainsi que le skin McLaren, la décoration que j'ai ajoutée puisqu'elle n'est pas de base dans le mode. Alors, sachez que l'on est donc sur un mode payant qui coûte 3,99€. Il est disponible donc uniquement pour Assetto Corsa et c'est un modèle unique. On va pas faire trop de comparatifs avec ACFL parce qu'on n'est pas là pour ça, mais sachez que là où l'autre mode proposé concernant la saison 2018 vous propose les modèles spécifiques de chacune des monoplaces de la saison, ici vous avez un modèle unique qu'il faudra vous-même adapter avec les skins qui vont être créés par la communauté. Le skin évidemment est celui de la McLaren de Stoffel Vandoorne, mais sachez qu'au niveau du modèle 3D, les skins s'adaptent au modèle fourni avec ou sans le halo, parce que oui, vous pouvez mettre et retirer cet appendice selon la version de la voiture que vous utilisez. Il y a deux versions disponibles. Pour le reste, tout est identique à chacun des modèles présents, si ce n'est peut-être la couleur du skin de base, avec évidemment le retrait de l'aileron de requin, du T-Wing et l'instauration d'un volant avec un dashboard unique. Parlons tout de même de ce volant et de ce dashboard qui a été réalisé par Wave Impact F1, qui est une boîte qui bosse sur les simulateurs pour les vraies équipes en compétition. Donc peut-être qu'ici, on a un partenariat qui va se développer avec Racing Studio, qui est déjà à la pointe pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce partenariat avec cette petite boîte italienne située à côté de Maranello pourrait peut-être aider à améliorer certains points de leur mode. Concernant la physique des voitures, nous allons passer en revue chaque élément composant le mode. Il y a pour moi quelque chose de très similaire à ce que l'on avait l'année dernière, c'est-à-dire que la voiture est compliquée en gestion de freinage. Vous avez toujours la possibilité de régler par vous-même le MGUH, le MGUK, la possibilité de déploiement du renouvellement de l'énergie, le DRS bien sûr, la possibilité, je l'ai dit, de mettre ou non le halo sur la voiture, ainsi que l'ensemble des IA avec ou sans halo. Ça c'est important et c'est plutôt pas mal. Vous n'êtes pas condamné à l'avoir ou à ne pas l'avoir, donc ça c'est sympa. Mais concrètement, au niveau de la physique, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que comparé aux voitures de l'année dernière encore, il y a eu énormément de progrès faits en essais hivernaux et même à Melbourne concernant la vitesse de passage en courbe des voitures. Et ça, c'est quelque chose qui était très bien réalisé dans le 2007, je pense, en tout cas de ce que l'on pouvait voir à la télévision, en tout cas sur les images des vraies compétitions. Je n'ai pas la chance de piloter une Formule 1, vous en doutez bien. Mais ici, on retrouve la même chose. Et là où il y a une petite différence, et une fois de plus, je vais éviter la comparaison, mais des fois, elle est inévitable, avec le passage en courbe des modèles de chez ACFL, dans les courbes mi-vitesse et rapide, ici, on a toujours la sensation que, quoi qu'il arrive, la voiture pourrait décrocher, ce qui n'est plus le cas avec l'autre mode. Alors, est-ce que c'est un défaut ou une qualité? Je ne sais pas. En tout cas, ici, le mode est beaucoup plus compliqué à prendre en main. Et vous le voyez, voilà, ça glisse. Et malgré une petite aide à la stabilité ou encore un traction control en factory, vous allez malgré tout avoir une voiture qui est très 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 déséquilibrée de base et qu'il faudra travailler. Alors ça n'est pas un problème si vous aimez ça bien sûr, mais pour le grand public ça peut être un petit peu rebootant. En tout cas, je pense que clairement la voiture est convaincante, mais elle est décevante dans ses performances vraiment en sensation de virage. Pour le reste, le force feedback eh bien, est correct, correspond à ce qu'on peut attendre de la voiture. Le passage sur des courbes de signe par exemple se fait aussi sans aucune difficulté, mais c'est vrai que dans certains virages, on a tendance à se dire « Ah, il faut que je lève parce que sinon la voiture va décrocher de l'arrière » alors que dans d'autres conditions, elle pourrait passer plus facilement. En ce qui concerne la réalisation du modèle 3D, je l'ai dit, donc il est unique. Vous avez une seule voiture en 3D, un seul volant, un seul dashboard. Mais une fois de plus, le modèle est réussi. Alors effectivement, quand je vois la voiture, j'ai plus l'impression de voir une McLaren, de voir une Alfa Romeo, de voir une Williams, des voitures qui ne sont pas les plus abouties aérodynamiquement sur la grille de cette saison 2018.
On manque de profilé, à l'image d'une Ferrari, à l'image d'une Red Bull, à l'image peut-être vraiment d'une Mercedes. Là, on a une voiture qui est vraiment basique de chez basique dans son châssis. Ça peut plaire à certains, mais ça peut aussi déplaire à d'autres. Vous l'entendez, le son de la voiture est également concluant au niveau sonore. On a vraiment l'impression d'avoir un V6 hybride, donc ça aussi, c'est une valeur sûre. Donc vraiment un mode convaincant. Pour le prix, c'est très abordable, 3,99€ pour un modèle 3D. C'est correct, vraiment. Je vous invite à le télécharger si d'aventure vous souhaitez simplement une expérience au niveau d'une voiture de F1. Sinon, pourquoi pas vous rabattre sur le 2017, peut-être un peu moins cher. Évidemment sans le halo si aussi ça vous rebute, donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Je rappelle que dans le shop, dans la description, vous retrouverez toutes les informations. Voilà, je crois que tout est dit concernant ce mode. J'espère vous avoir un petit peu éclairé sur mon ressenti ou les sensations. Globalement, c'est du très qualitatif. On se donne rendez-vous très vite dans les commentaires ou dans une autre vidéo pour en savoir un petit peu plus. D'ici là, à la prochaine. Salut les amis.